Attention, cette chronique contient des spoilés. Vous voilà prévenus. Des fois, je vous comprends pas. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet le plus énervant qui soit. Tellement énervant que j'ai envie de m'arracher les yeux avec une pince à glaçons quand j'entends des choses aussi ridicules. Je veux bien sûr parler des pires théories sur Game of Thrones. C'est le 28 août 2017 que s'est achevée cette 7ème saison de Game of Thrones. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette saison, bien que raccourcie, envoyait du bois. Bien que HBO ait dû essuyer des fuites de scénario, des piratages ou des erreurs de programmation d'épisodes, cette saison fut autant un succès d'audience que de critique. La totalité des personnes regardant Game of Thrones ont des théories sur le futur des personnages et de l'intrigue. Il n'est pas rare que durant une soirée entre amis ou autour d'un verre, le sujet de Game of Thrones vienne sur le tapis. Et c'est là qu'on apprend les dernières théories à la mode, qui sont aussi horribles à entendre qu'une chanson de Vita ou aussi insensées qu'un discours de Donald Trump. Voilà la plus répandue des théories de merde. 9 fois sur 10 dans une discussion, j'y ai le droit. Moi je suis sûr que dans la saison 8, Tyrion il va chevaucher un dragon avec Daenerys et Jon Snow et ça va être le plus beau jour de toute ma vie. Oui. Et pourquoi il chevaucherait un dragon? Généralement on me répond parce que Tyrion est un Targaryen. Cette théorie prend racine dans le dernier épisode de la saison 4, quand Tyrion tire un carreau d'arbalète sur Tywin et que ce dernier lui dit qu'il n'est pas son fils. La plupart des personnes regardant la série au premier degré pensaient que Tywin, dans les derniers instants de sa vie, révélait un secret de famille. Les gens font cette déduction parce qu'une autre rumeur bidon dit que Joanna, la cousine femme de Tywin, aurait eu une liaison avec Aerys II, le père de Daenerys et roi fou, et que Tyrion serait le fruit de cet adultère. Remettons les choses dans leur contexte. Si Tywin dit à Tyrion qu'il n'est pas son fils, c'est juste pour signifier au téléspectateur qu'il ne l'a jamais aimé et qu'il le renie. C'est tout. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Donc les mecs, il y a très peu de chances de voir Tyrion chevaucher un dragon avec Jon et Daenerys. Et surtout depuis l'épisode 6 de la saison 7. Et pas la peine de me sortir la scène où il enlève les chaînes des dragons dans la saison 6. J'appelle ça une coïncidence, moi. Et pas un quelconque lien qui unira un dragon à un nain. Et la mauvaise foi appelant la mauvaise foi, c'est là qu'on me sort une théorie encore plus insensée. Eh ben, Ned Stark il est pas mort, c'est Jaqen H'ghar qui a pris sa place sur l'échafaud. Un homme dit que si tu penses ça, on devrait te dévisser la tête pour te chier dans le cou. Non mais sans déconner, Jaqen H'ghar qui aurait pris la place de Ned Stark? Il fait quoi Ned Stark depuis la saison 1? Il attend dans les cuisines de Winterfell avec Ghost? Pour ceux qui s'en souviennent pas, Ned Stark est mort depuis l'épisode 9 de la saison 1, décapité par Ilyn Payne sur ordre de Joffrey. Cette théorie aurait pu se révéler vraie si on avait eu un doute sur sa mort. Mais là c'est impossible vu qu'il est mort en public, et que sa tête nous a été montrée sur une pique dans l'épisode 10 de la saison 1. En plus sa dépouille a été récupérée par Catelyn dans la saison 3 alors... Si on suit cette théorie, ça voudrait dire que c'est Jaqen H'ghar qui est mort. Chose impossible, vu qu'il est délivré par Arya par la suite. Et que c'est lui qui la forme pour devenir une sans-visage. Et vous croyez vraiment que si la mort de Ned Stark n'était qu'une supercherie, ce dernier n'aurait pas tout fait pour rejoindre Catelyn et Robb, fraîchement proclamé roi du Nord? Ou qu'au pire, il aurait rejoint Stannis, roi légitime à ses yeux? Et les gars, on est dans Game of Thrones, pas dans Amour, Gloire et Beauté. Eh ben je te parie que le roi de la nuit, en fait, c'est Bran Stark. Parce que moi j'ai relevé trop de détails qui prouvent que c'est lui. Espèce de kikoulol en bois, tu dis ça à cause de cette photo? C'est un fake, le médaillon sur Bran a été rajouté. Tu dis ça parce que le roi de la nuit est le seul à voir Bran quand il l'observe? C'est juste un parti pris scénaristique pour pas que Bran passe son temps à l'observer, et pour nous montrer à quel point cet ennemi est puissant. Et puis les gars, je vous rappelle que dans la saison 6, on voit comment ont été créés le Night King et les White Walkers par les Enfants de la Forêt. Et que lui, eh ben c'est l'acteur qui campe le roi de la nuit. Et est-ce qu'il ressemble à Bran? Ne répondez pas tout de suite, je vous laisse le temps de répondre. Alors les plus hérétiques me diront que Bran aurait très bien pu prendre possession du corps du gars quand les enfants sont en train de le transformer, et qu'une partie de lui est restée coincée à l'intérieur. Alors non. Simplement, non. Et pour me convertir à cette sordide théorie, certains m'ont même sorti qu'à la fin de l'épisode 7 de la saison 7, quand les marcheurs blancs franchissent le mur, cela formait le blason de la maison Stark, et que forcément, ça ne pouvait être que Bran. Ces gens-là sont des illuminés, ils voient des signes de partout. Ce sont les mêmes fous qui ont vu à ce moment l'œil de Grand Griff s'ouvrir, et qui affirment que c'est Bran qui a pris possession de l'épée l'espace d'un instant. Pour ces gars-là, on peut rien faire. C'est fini. En résumé, que tu aies des théories ou que tu essaies de deviner la suite des événements, c'est normal, tout le monde fait ça. Mais faut rester dans la limite du raisonnable. Mais avant d'hurler sur tous les toits que tu as découvert un truc de ouf gueudin qui va être repris par d'autres Kikou Kevin qui vont nous pourrir la vie avec, ça serait sympa que tu te renseignes pour savoir si tes théories sont possibles. Il faut arrêter de confondre les jeux d'Heroic Fantasy avec les séries télé. Donc en gros, tu réfléchis, tu prends du recul, et t'arrêtes d'être con.